Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un petit vlog et c'est une journée comme j'adore, une journée où il y a plein de choses à faire. Pour vous situer un petit peu la dernière vidéo que je vous ai fait vlog, c'était lundi et là pour moi on est jeudi. Donc vous je l'ai posté la semaine dernière parce que pendant 2 jours j'ai fait tout le ménage de la maison. Parce que du coup on est arrivé dimanche soir très tard et donc là pendant 3 jours je me suis occupée des animaux, j'ai un peu fait tout le ménage. Et donc aujourd'hui je vais m'occuper du jardin et des lapins. Déjà, il faut que je range toutes les affaires de Gucci, que je réaménage toutes ces friandises et tout, donc je vais faire ça. Après, là, il pleut, donc je pense que j'irai travailler. C'est mon jour de reprise aujourd'hui, donc je vais prendre un peu de marge niveau timing, parce que je pense qu'on va se raconter un peu nos vacances, enfin, on va rigoler et tout. Je leur ai ramené du Kouign-Amann aussi, de Bretagne, ils vont être trop contents. Et après ça, en fait, il faut que je m'occupe d'élaguer l'enclos de Milk, parce que bah, je vous avais montré le premier jour, genre, c'était hyper haut. Et le lendemain... J'ai mis une demi-heure à le rattraper, genre vraiment c'était une galère, donc hier c'était cool, il est rentré facilement, mais bon, je préfère quand même tout couper pour que ce soit plus simple, pour que je puisse vérifier plusieurs fois par jour si je le vois bien, que tout va bien et tout. Il faut aussi que je fasse un enclos dans l'enclos de Milk où on mettra Brume pour commencer la cohabitation. Et après ça, je voudrais leur faire des friandises maison, il faut que je fasse plein de petits trucs, il faut aussi que j'aille chercher plein de bottes de foin. Donc ouais, on a une grosse journée aujourd'hui, donc je vais vous emmener avec moi, j'espère que ça va vous plaire. Et avant de la commencer, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Ça va mon put-put? Tu passes une bonne nuit? Je vais commencer par vous faire un petit room tour pour vous montrer un petit peu comment où on en est dans la maison par rapport à là où je vous ai laissé il y a 3 jours. Donc pour commencer pour la chambre de Gucci, c'est là où il y a un peu d'avancée à faire parce qu'il faut qu'on range tout ça et ça. Donc les affaires de Gucci, il faudrait que je fasse son enclos aussi. Bon après si c'est bon, il y a juste un peu des petits trucs qui traînent vite fait. Le bureau, là aussi j'ai tout rangé, genre là j'ai vraiment genre... tout rangé par catégorie et tout. Non, il y a cette partie là, cette chose là qu'il faut que je range. Mais bon, globalement, c'est un petit peu de rangement, de la déco, mais toutes mes plantes, genre, c'était clairement toute ma déco, elles sont un peu clamsées, donc je suis dégue, mais du coup, faudrait que enfin, je vais essayer de les sauver. Le salon et la cuisine, donc ça va. Il y a mon saut de serpillière et mon balai qui traînent, et ça, complètement lambda, mais c'est là. Donc bon, faut que je finisse de ranger un petit peu, mais genre la cuisine. Genre, j'ai fait tout bien propre. Bon, après, là, ça fait 2 jours que je vis dedans. Du coup, forcément, c'est re un peu le bazar. Ici, ça, c'est tout ce qu'il faut qu'on remplisse avec les friandises de Gucci qui vont compter dans le rangement. Donc, c'est normal que ça soit là. Mais du coup, j'avais tout lavé puisque j'ai refait toute la vaisselle. Ça m'a pris des plombs. Voilà, la petite déco, pareil, il manque mes petites plantes. Ma chambre... Donc là, j'ai mis le meuble là que j'ai monté. J'ai mis toute ma laine là pour gagner, mettre des vêtements ici et gagner une place pour mettre des pulls parce que c'est trop la galère, là tout est entassé. Et bon, après ma table de nuit c'est un peu le bazar mais sinon ça va. Donc voilà, globalement, tout est propre. Ça, cuisine et cafouche aussi c'est bon. Bon, je vais pas vous montrer. Cuisine, salle de bain, on s'en fout. Mais voilà, en gros tout est propre, juste des petites zones à faire un peu en rangement encore. Some left.
Je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Finalement, j'ai changé de plan. Donc là, j'ai mis tout ce que j'ai mis dans les boîtes. Mon objectif, ce serait d'avoir que des belles boîtes comme ça. Ou genre des gros trucs, le parfait et tout. Bon, Mercury s'est mis tout seul. Après, là, finalement, j'ai pas changé. J'ai juste mis en bas un peu plus de friandises et tout qu'il faut que j'utilise rapidement. Et ici, bon, la déco, là, c'est un peu désiré, mais bon, voilà. Là, j'ai mis quelques trucs que j'ai pour la boutique, donc des petits sachets, du gros scotch, des bonbons pour mettre quand vous commandez. Là, c'est des cartes de visite et des autocollants, comme ça. Et à la base, c'était là, mais du coup, là, c'est vide, je sais pas trop quoi mettre. Mais de toute façon, ce meuble, il me plaît pas. Et après, les affaires de Gucci, je les ai mis en bas, ici, tous ces draps et tout. Donc après ça a pas changé, touc touc touc. Et du coup ce meuble, j'ai essayé de ranger un peu mieux là et de mettre des trucs plus jolis. Bon, ces boîtes là, elles sont moches, mais c'est provisoire. Je pense qu'il faut que je trouve des petits bocaux. Et là pareil, j'ai rangé, mais ça me plaît pas trop parce que. Enfin, je pense qu'en vrai ça serait joli si tous les bocaux étaient pareils. Mais comme là, il y a un peu tout, mais j'en ai pas assez des pareils. Donc voilà, et puis je crois que j'ai fait un peu trop de pommes. J'en ai pour 4 ans là. Mais c'est pas grave. Je vais voir, de toute façon, il faut que je peaufine tout ça. Mais pour le moment, ça va. En fait, juste ce qui est relou, c'est que quand t'arrives, bah, tu tombes là-dessus. Donc, c'est un peu moche. Mais c'est pas grave. Une fois c'est rangé et tout. Du coup, là, il est midi. Ça s'est calmé la pluie, mais c'est trop humide pour que je mette le truc électrique dehors. Bon, normalement, je pense que c'est fait exprès, mais j'ai pas trop envie de clamser avec l'eau électricité. C'est pas super bien. Du coup, je vais aller bosser. Je pense j'en ai pour 2h30. Enfin, je pense que je suis rentrée vers avant 15h. Et après, j'espère que ça va se lever pour que je puisse faire l'extérieur. Et moi, du coup, j'ai bien avancé. Enfin, j'ai continué un petit peu le ménage, genre ranger les derniers trucs et tout qui traînait. Donc voilà, c'est cool. Je suis amoureuse, il est vraiment trop mignon. Donc je vous reprends quand je rentre. Il est tout mouillé. Je vais juste ressortir Brume parce que comme il pleuvait beaucoup, je l'avais pas sorti. Ce matin, mais bon, je vais pas laisser toute la journée dans son clavier, du coup, je vais la mettre dans le petit parc. Bon, je viens de rentrer. Et du coup, je vais profiter qu'il y ait une éclaircie là tout de suite. Je vais me mettre à tout ébroussailler. Je vais essayer de rentrer Milk, qui est là, pour pas lui couper les oreilles, ça serait con. Et voilà, je vais me dépêcher de faire ça avant qu'il repleuve là. I
Du coup, là, j'ai mis à déshydrater. Donc, j'ai fait. Ça, c'est pour essayer de faire des pruneaux. Pour mettre dans les phares bretons, les trucs comme ça. Donc, c'est plus pour nous que pour les lapins. Et alors, je vous montre. Et après, hop là, j'ai fait des petites friandises, des petits bouts et j'ai essayé les myrtilles aussi. Voilà, ça c'est la plaque des lapins et des Gucci. Ça c'est pour les humains. Donc voilà, j'ai mis à 50. On va voir si c'est trop fort ou si ça marche. Et j'ai mis 6 heures, mais je sais que ça va pas rester longtemps. Je pense que j'aurais pu mettre moins fort, mais avec les pruneaux, sinon ça va jamais sécher. Mais les pruneaux, je pense qu'il faut que je les laisse au moins genre 12 heures, un truc comme ça. Parce que du coup, j'en ai mis des demi et des quarts, mais c'est assez gros. Bon, ça y est, j'ai rangé le foin et en gros, on a du foin fin et du épais. Donc j'ai pris 3 épais et 2 fines. Je sais pas trop ce qu'ils préfèrent, de toute façon, si ça me le mange, j'utiliserai comme litière. Mais voilà, je pense que ils vont préférer le épais. Bon, je crois que Brume a sauté. Mick, il est là-bas, donc je pense qu'ils se sont pas captés. Ça, c'est l'oncle ton frère. J'ai pris tout plein de foin pour remettre dans les clapiers. Hop là, donc la Milk, je l'ai vu bouger, elle est là-dessous, mais vous voyez, quand il y avait tout qui tombait, bah, je voyais rien en fait pour le rentrer, et du coup, je passais vraiment des heures à le rentrer, c'est dangereux, enfin, parce que si je peux pas vérifier qu'il va bien et tout, voilà. Donc là, ça va être l'hiver et tout, il y a tout qui, des feuilles qui vont tomber et tout, donc ça va être mieux, et puis même là, c'est mieux. Ça fait 4 heures que ça y est, ou 5, je crois que j'ai mis 6 heures. Là, ça a quasiment pas déshydraté, enfin, on voit vite fait. Je vais regarder, je sais pas si je peux mettre pause. Non, ça augmente direct d'une heure. Ah, je vais débrancher. Du coup, les friandises des lapins, les mûres, ça se déshydrate doucement, mais pas très sûrement. Je suis pas sûre que ça va marcher. Peut-être qu'il faut plus fort, là, c'est vraiment pas très fort. Et les petites boulettes, elles sont encore super molles, mais ça rend bien. Je fais des petits cœurs aussi. Les petits cœurs, ils me sont plus plats, ils sont plus déshydratés. Bon, je pense que je vais pouvoir rajouter le double d'heure. Je vais vous clôturer cette petite vidéo sur mon plus-plus qui... Oh, il va tomber. Qui fait dodo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.